C'est bon. J'en ai marre, je sais pas trop quoi faire. Limite, j'ai envie de regarder la soluce là, parce que moi aussi je suis paumé. C'est trop grand, je sais pas où aller. J'ai tourné en rond depuis tout à l'heure, hein, c'est vrai. Hein. Et je comprends que c'est ce qu'a dû rebuter les joueurs à l'époque. Pourtant, c'est pas bien compliqué, bordel. Je dois aller voir certaines personnes, il faut que je les trouve, mais c'est que j'arrive même pas à les trouver. Là, il y a du monde, moi je vais pouvoir demander, c'est déjà ça. Tout à l'heure, j'étais parti sur Ilot, on va continuer sur Ilot. Il est où? As-tu vu Ilot? Je l'ai vu vers le nord-ouest, il y a peu de temps. Marche de cette direction. Parce que le fait qu'ils aient une vie c'est bien, mais c'est vrai que vu qu'ils sont toujours en mouvement, bah, ça peut gêner comme là. Nord-est, 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 nord-est. Attendez. C'est bien, c'est là-bas. Ok. Bon. On y go. Putain, c'est là d'où qu'on vient en plus, hein. Il me montre du doigt. Pourquoi tu me montres du doigt? Il m'a balancé aux autorités, au tyran. Nord-est là pourtant, ouais c'est ça. Le mec il est ici en principe, bordel, mais on était là tout à l'heure et j'avais vu personne à part des soldats. Eux c'est des soldats aussi. C'est pas la même couleur mais c'est qu'il y a plusieurs grades. Les jaunes c'est les moins forts. Les blancs intermédiaires et les noirs c'est les plus forts. Nord-est. Ah mais ça fait loin, c'est vrai qu'on est... Faudrait que je traverse tout en fait. C'est vraiment l'extrême nord-est j'imagine. Oh là 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 là. J'ai pas assez de pompons de monture. Ah si. Bon, je sais quoi faire au moins. Ça sent la rage, comment ça? Au niveau de ton rond? Non, ça va, je sais que ça vient de moi le souci, c'est pas vraiment spécialement la faute du jeu. C'est bon, je peux pas en vouloir au jeu de comment dire, c'est pas facile de se repérer visuellement parce que tout se ressemble un petit peu, c'est vrai. Mais bon, c'est vrai que pour l'époque, ça s'assemblait pas, hein. C'est que pour nous maintenant ouais, parce que bon, texture verte, y a que ça quoi, avec quelques bâtiments, mais sinon c'est chaud. Hein. Surtout que je les confonds un peu. Mais sinon ça va. Donc c'est bon. Ah, il y a une autre porte là. Cool. On pourra pas passer par contre. Ah, mais il y a des gardes aussi. On va éviter de se faire repérer. On va retourner à la ville. Acheter notre monture. Snake. Fous-moi la paix. Jette des cailloux en plus. En voilà un autre. Eh merde, il s'est fait voir par eux. Ok, putain, je fais que courir.
La ville est pas loin. Bon, on fera des munitions au passage. Végétation inconnue détectée. Ouais, des cailloux explosifs, ouais. Parce que j'ai vu aussi. Bon, c'est une planète extraterrestre. Peut-être que la roche de là-bas contient une certaine substance explosive. C'est ce qu'on va dire. Ouais, je vais prendre ma monture, moi ça me fait un objectif, hein. C'est déjà ça, c'est pas spécialement lui que je dois faire, mais de toute façon ça fait partie des objectifs à faire hein, au début. Si on nous en parle et qu'on peut le faire, c'est que c'est sûrement un des trucs à faire en premier, quoi. T'as rien vu, c'est rien. Y a rien du tout. Voilà. La ville est derrière. Je crois, je sais même plus. En tout cas, le nord-est est là-bas. Donc on s'en fout du truc. On va d'abord aller au nord-est. On est plus proche du nord-est que de la ville. On va aller voir où qu'il est l'autre là. Et puis après j'irai chercher ma monture et ça suffira pour cette fois-ci. Je pense que ça va être long, hein. Autant bien prendre le pli. Mais bon. Je crois que c'est 30 heures de durée de vie, hein, en moyenne. Il n'y a pas de munitions ici, je crois que je vais le buter pour prendre tout ça. S'il est tout seul. Ils sont deux. Trois. Tant pis. M'a tombé les gars. Les humains. C'est pas le genre des créatures à faire la paix. On parle avec les guns. Ça me fait rigoler. Eh merde, je suis mort. Première fois que je meurs. I'm not even warmed up. La sono fait grave penser à... Comment ça s'appelle? Du coup là, il faut que je refasse le... Pas grand chose, mais il faut juste que je récupère l'argent que j'avais pris dans la porte là. Bordel. T'as une clé à récupérer là. Non, c'est pas ici, c'est vrai. Ah si, c'est bien là. Ouais, à Star Wars, voilà, ça me fait penser à Star Wars. Tout ça pour aller poser et causer un mec, quoi. Barrez-vous là! Il se retourne. Puis nous on va se noyer là. Faut que je me lève. C'est bon. Voilà. Approche un peu, tu veux? Salut? Bonjour, Lokai. Je suis Zéo, le gardien du puits aux essences. C'est quoi le puits aux essences? Bon bah. Le puits? C'est là que tout Talan vient se convertir en Talan à part entière. Se convertir? En adulte. Oui. En fait. De la source émane une énorme quantité d'énergie première. Lorsqu'un Talan qui n'a pas encore été converti s'approche du puits aux essences, cette énergie l'envahit et active sa véritable essence intérieure. C'est pas dangereux, moi. Non, Lokai. Tout
Tous les Talans le font lorsqu'ils atteignent l'âge requis. C'est à ce moment seulement qu'un enfant devient adulte et qu'il peut nous rejoindre pour servir l'Iode. Personne ne sait quelle essence recevra le Talan avant que la cérémonie ne soit finie. Bon, hop. C'est quoi ? Là, on va passer parce que ça... Je l'ai vu tout à l'heure. Bon, juste quand même. Et là, ouais, les femmes... Je peux poser une question ? Pourquoi il n'y a aucune femme par ici ? Et les enfants aussi. Elles n'aiment pas être avec les hommes en dehors de la période de reproduction. Celle-ci dure seulement 5 lunes. Les hommes peuvent alors aller à Kizar et avec un peu de chance, être choisis pour l'accouplement. Et les malchanceux ? Ils doivent s'occuper des enfants pendant les 5 lunes. Ensuite, nous devons partir et nous emmenons les garçons qui ont l'âge requis pour qu'ils assistent à la grande cérémonie de conversion. Ferran vous laisse faire. Il n'a pas le choix. Si nous manquons la période de reproduction, il n'aura pas de nouveaux soldats. Combien de fois t'as été choisi ? Mukai, c'est très personnel. Pourquoi Croax a volé la pierre des essences ? Croax est un Talan assoiffé de pouvoir. Il pense qu'en détenant la pierre des essences et en priant dessus, il pourra convaincre le Yod Fée de lui donner plus de soldats pendant la cérémonie de conversion. Et ça marche ? Je ne crois pas. Il la cache quelque part, hors du temple de fées. Si quelqu'un réussissait à me la rapporter, les soldats seraient fort mécontents. Bordel, je savais pas ça. Oui. J'avais dû louper ce dialogue tout à l'heure. Ils estiment tous qu'elle est leur propre pierre, celle de leur Yod. Si elle disparaissait, les soldats perdraient leur courage et les ouvriers de Chamazin seraient très heureux. Tout ce qui pourrait nous redonner une vie normale serait bienvenu. Tu me files des indices là, Zéo ? Oh non, Lukai, je pense tout haut. Ok, bon, en gros, il faut retrouver la pierre là, je sais pas quoi, il faut essayer à voler une pierre ou un truc comme ça. Voilà l'objectif, en plus d'essayer de se mettre les personnes influentes dans la poche. Et en plus d'essayer de brider un peu leur production de riz pour affaiblir les troupes de soldats. D'accord, bon, ça commence à se construire le scénario. Parce que du coup, tout à l'heure j'ai sauvegardé juste avant ici. Et, tout ce que j'ai fait, bon, ça n'a pas été pris en compte, mais tant pis. C'est que j'avais récupéré pas mal d'argent quoi, c'est souvent ça, surtout ça le problème. On va éviter de passer par là. Parce que du coup là j'ai plus assez pour me prendre une monture, bah, il manque pas beaucoup mais... Là il y a une clé encore, que je l'ai récupérée pendant la course poursuite, je me souviens. Je vais la prendre rapidement sans qu'on me voie si possible. Comme par hasard, ils arrivent. Hop, c'est bon. On va essayer de se remplir les poches encore une fois, puis tant pis. On était pas venu ici. Hein. Faut mettre la pierre là à tous les coups. J'ai découvert un truc avec lequel on va interagir. Ça... Je me doute bien qu'il faudra mettre un machin dans le petit bloc là. Dans le socle plutôt. C'était pas là qu'on était tout à l'heure. Ça ressemble à ça mais c'était pas ici. J'avais trouvé pas mal de stuff. C'est en face je crois en fait. Ou là-bas plutôt. Oh je sais plus. Ah puis il m'a vu. Il est pas sûr encore, il a passé l'alerte mais... Il semble que... Il va se ramener dans le coin pour vérifier. Tout. Bon, on n'a pas capté. Ah ben là, le truc. Le gros machin que vous ai dit qui s'enfonce dès que j'approche. C'est une créature mais je vois pas trop c'est quoi, j'ai pas trop envie d'aller vérifier. Ça sera pour plus tard j'imagine.
Hop, là va ressortir. Elle rentre. Je te pas, je te regarde quoi. Bizarre. Bon. On va reprendre la carte quand même. Mince, je t'en prie, c'est pas la même touche, celle-là. Y'a rien ici. Il faut de la thune, les gars. Ouais, ça. C'est un mélange de genres, mais ça va, c'est le mélange est bien saucé ou dosé plutôt. Saucé peut-être pas. Dosé, ouais, ça c'est bien. Bien géré. Eh merde. Laisse-moi tranquille. Tu m'as pas vu. Bon, défaut de trouver de l'argent, on trouve des ressources, c'est toujours ça. Ceux-là, j'ai pas encore réussi à les tuer. J'arrive à me faire les petits en jaune, ceux en blanc aussi. C'est un peu plus dur, mais j'y arrive, mais les, eux là, en noir, là, j'arrive pas. En noir et blanc, c'est trop dur. Où est la ville? J'ai pas réussi à me repérer encore. Je crois que la ville c'est tout à gauche là-haut. En haut à gauche. Le problème c'est que vu que la carte tourne, des fois je sais même plus d'où je viens, où est-ce que je fais quoi. Ouais, c'est d'esquiver. On va se noyer. On va se mettre ici. On va s'acheter une monture dès que possible, hein, comme ça on pourra galoper plus vite. Dire que j'avais l'argent là, mais je me suis fait tuer comme un guignol. En tout cas, il y a plein de ressources ici, on va y aller. Le temps que ça aille ailleurs. Dès qu'il y a un escalier là aussi, ce que... Et merde. Oups. Bon, vaut mieux les araignées, quoique eux vont voir là-haut. Non? Bizarrement, il me regarde, mais trop loin pour vraiment. Et... tant mieux. C'est pas vraiment réagi, ils ont regardé, mais. Ah, je lui ai pété les jambes. Regardez, il rampe. Merde. Ouais, il est mort maintenant. Je crois. Toi, t'es un sauvage, toi.
T'es pas, ouais, il est pas apprivoisé lui. Mais eux ça va, ils sont pacifiques, ils ne bougent pas. Je sais pas trop où je suis parti, bon, là c'est mode exploration depuis tout à l'heure, de toute façon c'est un peu. Je pense que c'est comme ça qu'il faut débuter, savoir où se trouve quoi, ce qu'il y a. Sauf qu'il va falloir que je pense à sauvegarder là. On prend tout ça et on se casse, on retourne vers la ville, je vais me faire des munitions. Et je vais essayer quand même de rentrer dans un des temples là, vite fait, récupérer l'argent qu'il y avait. Histoire de pouvoir acheter une monture, bordel. Au moins j'aurais fait ça de concret là. Durant cette petite session, parce que pour l'instant j'ai pas trop avancé quand même. Ah voilà, d'où je suis arrivé. Donc voilà, là c'est le point de départ. C'est là que j'ai croisé le pêcheur qui m'a ramené à la ville. D'accord. Ça me revient. Voilà, bon. Ils sont moins nombreux que tout à l'heure, j'ai l'impression. Mais tant mieux. C'est violent, ouais. Alors, Roumanie, ouais. Roumanie, pas, c'est même. Il y a plein de choses qui sont tombées dans l'oubli malheureusement. On facilite pas le grand public à s'en rappeler avec bah, les grosses productions ou qui veulent essayer de faire refaire l'histoire via des productions cinématographiques. Bah, à force de trop simplifier, bah, on a tendance à croire qu'il n'y a que les Américains qui sont battus quoi. Merde. Du coup on va les buter, il y a un coffre et tout hein. Écoutez. J'aurais dû sauvegarder avant mais tant pis. Espérons que ça passe, on croise les doigts. J'en ai un en moins. Deux sont moins balèzes déjà. C'est faisable. Ils n'ont pas eu le temps d'appeler les renforts. Mais t'as mourir. On prend vos thunes, vos munitions. Tranquille en train de pique-niquer je crois mais tant pis. Allez, une sauvegarde. Avant de faire n'importe quoi, je vois qu'ils sont assez loin les ennemis donc je peux me permettre de sauvegarder. Game save, game save, game save, game save. Non, c'est la clé ça. Qu'est-ce que je fais moi? C'est là. C'est ça, voilà, c'est le cristaux, c'est vrai. Bref. Slow 7, voilà. On prend notre flingue parce que la clé, tu peux la ranger, voilà. Allez. On va tenter de s'infiltrer, là, comme tout à l'heure, de se remplir les poches et de se barrer. De toute façon, on est grillé. Éviter de se faire voir avant d'être à l'intérieur, au moins. Le village est là. 230. Ah, c'est 240. Pourra pouvoir. Ah, mais c'est bon, je pense pouvoir les avoir. En allant ouvrir la porte. Ok, les secrets. Sans spécialement aller me risquer. Quoique tout à l'heure, hein, on était là-bas en haut, hein, c'était pas si risqué que ça. On ira après au pire avec la monture. Et de toute façon, la monture, quand elle disparaît, elle respawn dans l'enclos là. C'est fait exprès. Je pense qu'ils ont prévu le coup. Comme ça, même si on part et puis qu'on la laisse sur place, on sait qu'on la retrouve ici, d'une manière ou d'une autre. Autrement, ça revenait cher d'en acheter une à chaque fois. Donc, ouh. Ennemi. On va speeder, on va aller ouvrir la porte là, prendre l'argent. D'ici là, peut-être que. Alors quoi qu'ils sont toujours dans la zone parce qu'ils gardent la porte. Mais on va éviter de se faire voir. Il faudrait bien qu'ils se remettent là où ils étaient tout à l'heure. On sort la clé. Sésame, ouvre-toi.
Je crois qu'il y a de l'argent, hein. Je sais plus s'il y avait de l'argent à récupérer, mais en tout cas, il y a des munitions, c'est toujours ça. Ouais, il y a de l'argent. Voilà. C'est bon. Plus une petite tour de soin, ça tombe bien. Allez hop, c'est parti au wash up, mon dieu. Cette fois-ci, pas me faire avoir. Pas de soucis. J'ai acheté un petit coup d'œil aussi sur ta série d'Iron Heart of Iron, il me semble, c'est ça. Hein. Donc, où est notre vendeur de je ne sais plus trop quoi là? Comment il s'appelle déjà cette créature? Il va nous le dire de toute façon, mais il faut le retrouver, il est en bleu. Pas lui, ça c'est le prêtre. Quoique, soigne-moi toi. Pourrais-tu me soigner? Bien sûr, Ulukai. Sois plus prudent à l'avenir. Vas-y. Et voilà. Mais d'où, monsieur le vendeur de bestiaux? Il arrive, il est là-bas. Il n'y a pas de soldats. Enfin, si, c'est en bas. Et il a un problème apparemment. Combien coûte un de tes Tuan-Ha? Tu veux adopter un Tuan-Ha? Comme c'est gentil. Ce tu promunion, combien? Tu me traiteras comme ton propre. Ouais, oui, t'inquiète. Et tu lui... Oui. Et... Bon, cela ne te coûtera. Bien sûr. Ok, j'en prends un. J'espère qu'il deviendra ton meilleur ami. Ah, j'ai hâte d'aller voir l'armurier qui me fasse des munitions entre temps. Ah mais tant oui, pis. tant que je ne meurs pas de faim. Qu'est-ce que tu as dit? Je plaisante, Elias. Ça tient vraiment à cœur, hein. Ils sont toute ma vie. Voilà son guide. Il aime qu'on lui chante des chansons. Génial, merci. Où est-il? Dans l'enclos, au centre du village. Il a un problème, un assez. Problème? Oui, Ulukai. Les gardes soient loués, tu es venu m'aider. Mes amis Tuan-Ha sont en danger. Qu'est-ce qu'il y a? 5 méchants gars morts sont sur leur territoire à l'est du village. Ah, les tigres! Allez les sauver. Je t'en récompenserai, bien sûr. Bah voilà. Résumons. Tu veux que je sauve tes amis? Cool. En tant d'autres amis. Première 4 secondaires. Oui, c'est ça. Vas-y vite. Deuxième, enfin je sais plus, mais en tout cas ça me fait évoluer parce que depuis tout à l'heure là je galère un petit peu, mais on a exploré. On va prendre notre bête. Est-ce lui? Je suppose que c'est le seul qui est pas... Comment on fait? Ok, voilà. Star Wars, la musique là. Donc... C'est où c'est cette tigre déjà? C'est pas là parce que... Ça c'est une autre zone ça, c'est pas ici. Ah ouais, merde, la mairie, que je m'emballe pas à partir... sans avoir prévu le coup. Oh, il est excellent le jeu quand même. Vivement la réédition, enfin la suite, la seconde contact qui est en développement, qui va tourner... qui tourne sur le Cry Engine, donc bon, c'est plus récent, ça va changer. S'ils arrivent à refaire la même chose en version moderne, ouais, ça peut faire. Alors il est où le monsieur, je fabrique des armes, là, des forgerons là. J'entends taper avec son marteau, mais je le vois pas. Ah, ça y est, on s'approche, de plus en plus fort. Il est ici. T'es là, toi, tous les coups. Voilà. Ouais, c'est ça, j'ai que ça pour Approche un l'instant. peu, tu veux? Tu peux fabriquer ça? Oui, Lucas. Il faudra que tu m'apportes ces objets. Ah, j'ai pas fait le bon truc. J'ai marqué petit fabriqué, non, c'est fabrique en fait. Parce que ça, on lui demande si on a assez en fait. Savoir ce qu'il faut comme stuff, mais c'est bon. Ça suffira? Faut, par contre, faut attendre un peu. Je vais pouvoir faire ce que tu me Du demandes. coup, vu que j'ai pas mal de munitions, Prends un peu de temps. on va aller directement les chasser, je pense que j'ai de quoi faire. Merde. Tu as fini? Pas commencer, mec. Laisse-moi encore un peu de temps.
Ouais, c'est bon, ça va. On va laisser bosser. Donc j'ai laissé où, moi, déjà, si on perd des cas, si on le perd, il respawn ici. Donc ça c'est cool. Elle crame dessus là, qu'est-ce que tu fous? Tu veux plus? Ah, faut être à gauche apparemment, c'est bizarre, ça marche pas de l'autre côté. Peut-être que c'est moi qui ai mal fait. Bon bah allez, on va chasser les tigres chats là, ou tigres loups. Enfin, on avance un petit peu. J'ai bien fait de m'accrocher depuis tout à l'heure là, tourner en rond partout. Est-ce qu'il peut courir là, on peut pas, hein, à fond là. Sauter. Ouais, c'est cool déjà. Re Larion. Non, je sens pas trop par là. On va repasser devant le nid de l'oiseau géant là, faut faire gaffe. Comme tu vois, c'est j'ai la petite monture. Enfin, on n'a pas fait ça, tout ça pour rien, on aurait quand même fini par acheter un truc. Et avoir un truc de plus qu'au début quoi. En plus des munitions que j'ai craftées, mais bon. Enfin, j'ai pas encore été les récupérer. En plus tout à l'heure j'avais déjà lancé le truc, mais tant pis. Bon ben voilà, hein. Ils sont là les loups. On va laisser notre truc pour pas qu'ils se bouffer quand même. Attends-nous ici sagement. Comment j'ai fait pour sortir tout à l'heure? Voilà. Préparez-vous les chiots. Vous allez couiner. Ça, t'as fini? Bah, bien joué, félicitations. Come on, come on. Alors comme ça on mange des... Et hop, tu rampes. On va l'achever, non? Non, ouais, on le laisse, on va pas gaspiller des munitions. Les araignées. Pour l'instant, on va pas... J'en étais tout à l'heure, mais bon. Ça donne quelques trucs. Et vu que j'ai pas l'émission de les buter, on va les laisser. Bon, y a plus de loup, y a plus de loup là, y a plus de... Ah si, je crois, j'en vois un sur la carte. Est-ce que c'est eux ou est-ce que c'est encore des araignées? C'est... Est-ce que t'es vivant, toi? Non, je t'ai tué, toi, pourtant. T'es mort mec, enfin mec. Donc voyons voir ça ressemble à quoi, hein, c'est espèce de tigre mélangé panthère mélangé plus loup parce qu'ils chassent en meute. Ben, c'est des loups, ils se comportent comme des loups mais ils ont une forme de panthère quoi, voilà. Et une teinture de tigre. Salut mon pote. J'essaie de monter dessus mais non. Donc ouais, bah, c'est, je crois qu'il n'y en a plus de loup, hein, on les a tous butés, on va aller revoir le vendeur de d'animaux. Ah, faut écrire les règles. Bah c'est mieux quand même, histoire de réglementer tout, hein, d'ailleurs, voilà. Il faut. Un jeu sans règles, bah, c'est un peu dur. Et je peux même tirer, hein. J'étais pas trop sûr, mais ouais, je peux tirer à bord du truc. Voilà, c'est bien. Pas besoin de descendre pour que s'il y a une fusillade, on peut la faire directement en dessus. Par contre, lui aussi, hein, il peut passer que par les escaliers, hein, ce qui est normal. Ouais. Et voilà, la ville.
si on peut appeler ça comme ça. Le village plutôt. L'armurier raffine le boulot. Le coffre, je peux pas l'ouvrir encore. Pas l'impression en tout cas, on y retournera quand même essayer, mais. Bon là j'ai pas pris de coup, pas besoin d'aller me soigner. Bon l'armurier je l'ai un peu paumé, mais il est dans une des maisons, c'est ce que je me souviens jamais laquelle. Si on l'entend taper avec son marteau. Je l'entends, je crois. Non. J'entends pas en fait. Il y a trop de musique là. Si c'est, je me souviens, je crois que c'est là-bas. Non. Il y a 5 maisons. Pas elle, alors ça peut être qu'une des deux ici. Hein. C'est là. C'est qu'il travaille plus, c'est pour ça qu'il fait plus de bruit. Il a fini. Il m'a tout depuis tout à l'heure. Comment on le prête? Yo, Kai Trip, ça va? Depuis ce matin? Ben voilà, c'est bon. Autre, t'as rien à dire de plus. Non, c'est bon. Le métal nous a dit que ça se trouvait. Les lits de mer aussi. Ben, c'est marche. J'ai revenu au même truc. Non, je vais sortir. Voilà. Donc on va sauvegarder pendant qu'on est en terrain allié. La monture, elle est là-bas, ouais, c'est vrai. Il a retravaillé. Est-ce que je peux sauvegarder à dos du truc? Eh ouais. Ah non, il faut qu'il descende. Ah, tu t'es endormi, oh. Oh, ça arrive. Pas de soucis. Voilà, slow 6, voilà, c'est la dernière activité. Bah, je pense que je vais m'arrêter là, ça fait quand même 2 heures au moins, là, ou peut-être pas, moins 1 heure et demie que je suis dessus. Pour comprendre qu'enfin, voilà, fallait trouver une mission secondaire, se faire un peu de sous, avoir la monture. Et bon, bah, pour le moment, c'est pareil, en fait, là, je sais plus trop quoi faire, du coup. Ah si, il faut que je retrouve le mec qui m'a donné la mission, déjà, pour lui dire que c'est fini. C'est lui. Viens là, toi. Faut pas te parler? Non. Bon, faut que je descende pour lui parler. Hop. Piche-toi. Qu'est-ce que tu fous? Allez. Elle peut pas te lui parler quand elle est de dos. Hé. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Tu te fous de moi, quoi? J'arrive plus à lui parler au mec. Bien fort, je me mets... Attendez, est-ce que ça bug ou c'est... Parce qu'il veut plus me parler, qu'est-ce qui se passe? Pourtant je l'ai bien traité sa bête. Toi je peux te parler donc c'est bon. Bon je vais attendre qu'il revienne parce que là-bas il y a des soldats. Stargate. Il garde la porte. Tu vas me causer toi. Il va plus me parler, c'est quoi ce délire? Je savais pas qu'on pouvait taper, mais si on pouvait taper. Attends.
Je crois qu'on va bosser avec le tyran du coup, on va pas les délivrer. Au contraire, on va aller voir le tyran, on va lui dire que t'as besoin de nous. Non, heureusement il s'est regardé, c'est bon. Je sais pas, c'est du bugger avec le mec, j'arrive pas à lui parler. Ils m'ont envoyé chasser des tigres, mais bah voilà quoi, je les ai finis. Et... Ah c'est... Non, pas les animaux. Bah allez, on sauvegarde, on charge plutôt. J'arrive pas à lui causer, tant pis, ce sera pour la prochaine session, hein. C'est bizarre, ça bug pas en principe. Eh hey, monsieur, là. Bordel. Comment tu peux me parler? C'est quoi ce délire? Et là. Non. Apparemment, il y a quand même des succès. On peut tous les mettre KO, ça se trouve. C'est une façon de finir le jeu. J'ai dû oublier un tigre ou je sais pas, parce que c'est bizarre qu'ils veulent plus me parler comme ça. Sa bête, je l'ai bien traité. Ah tant pis. Bon voilà, au moins on aura eu notre bestiole là, l'espèce de dinosaure bipède. On aura parlé à Fae. On en sait davantage sur l'univers. On sait que donc tout se déroule autour d'une pierre magique et d'un puits d'âme là bizarre qui leur permet de devenir des adultes avec des compétences particulières. Avec le riz et la nourriture principale. Et qu'il faut justement essayer de réduire la production pour affaiblir l'armée du tyran. Voler la pierre magique là. Et organiser une rébellion. Voilà, dans les grandes lignes ce que j'ai à faire. Mais le problème c'est que c'est comme c'est un jeu à monde ouvert, c'est à nous de trouver comment faire. Donc faut parler à des gens clés, etc. Mais ouais, ça sera pour le prochain coup, on va s'arrêter là pour l'instant. C'est bizarre, j'ai pas eu... on n'a pas revu l'oiseau là. L'oiseau géant. Tout à l'heure il a essayé de me choper moi 4-5 fois d'affilée, mais là... Il est pas là. Tant pis. J'aimerais bien essayer de le dégommer. Sûr qu'il a... il va y avoir un petit succès aussi avec celui-là. Donc on va s'arrêter ici. Comme d'hab, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Ah ouais, désolé sur le chat, je reviens après, hein, vous inquiétez pas, je vais changer un peu de jeu, ça fait moins 1h30 hein, que je suis dessus. Donc je vais revenir sûrement sur un petit jeu. Si ça vous dit de faire un jeu en particulier, je sais pas, tenez-moi au courant. Hein. Y a pas de souci. Là, je vais juste couper ici pour arrêter avec Outcast. Très bon jeu en tout cas, hein, faut juste s'accrocher. Hein, c'est pas toujours évident, surtout au début, mais une fois qu'on a commencé... Qu'on a compris, qu'on a commencé un petit peu à se repérer. Voilà, comme dans tout jeu au monde ouvert, ben on commence à prendre ses repères. Et donc, allez, bon jeu à tous, et ciao!